Bonjour et bienvenue sur Organilog. L'application web dispose de codes à scanner, intitulés QR codes. Ces codes sont à imprimer et à coller sur un équipement pour que les intervenants munis d'un mobile puissent les scanner. Ils peuvent être utiles par exemple pour le pointage horaire des employés, pour obtenir la confirmation de la présence d'un intervenant à une adresse spécifique, ou même pour confirmer la réalisation d'une action. L'utilisation des QR codes vous permet d'ajouter une dimension numérique à votre activité directement sur le terrain, pour avoir un meilleur suivi. La première étape est de cliquer sur la roue dentée, de se rendre dans les paramètres, de cliquer sur module complémentaire et d'activer le pointage. Suite à cette activation, un nouvel onglet nommé pointage est apparu. C'est dans cet onglet que vous pourrez avoir un suivi des pointages en fonction de l'utilisateur, du type de pointage et bien entendu de la date où le code a été scanné. Sachez que vous pouvez utiliser les filtres pour voir les scans de l'employé de votre choix, et vous pouvez également filtrer par date en utilisant les raccourcis ou en insérant une période. L'activation du module de QR code a également fait apparaître de nouveaux onglets dans les modules adresse, équipement, action courante, intervenant et client. Allons par exemple dans client, sélectionnons un client, cliquons sur le nouvel onglet pointage, vous pouvez ici avoir un suivi des pointages pour ce client. Et pour obtenir le QR code, il suffit de cliquer sur « Code de tracking » et de télécharger le code de votre choix. Dans cet exemple, je télécharge le QR code associé à un intervenant nommé Alexandre Leclerc. J'imprime le QR code sur un papier autocollant que je vais coller chez le client, sur un équipement comme une armoire électrique, par exemple. Il me suffit alors de télécharger une application me permettant de scanner les QR codes sur mon smartphone et d'effectuer le scan qui témoignera de ma présence chez le client. Une fois le scan effectué, la ligne qui s'ajoute vous permet de connaître la date et l'heure du scan et potentiellement la géolocalisation si vous l'activez dans les paramètres. Bien entendu, vous êtes libre d'utiliser les QR codes comme bon vous semble. Dans cet exemple, nous avons effectué un pointage chez un client. Mais vous pouvez utiliser les QR codes pour des équipements si vous le souhaitez, ou même pour des actions courantes. Dans tous les cas, vous trouverez un onglet pointage qui indique qu'il est possible d'utiliser un QR code avec le module correspondant. A bientôt sur Organilog.